وزي كفن تبع الموجة. Initialement, j'ai écrit cette biographie, je suis français, à l'intention du public français qui connaît très mal l'histoire de la Tunisie et l'histoire de Bourguiba. Il se trouve que des amis tunisiens la trouvent aussi intéressante, mais j'ai voulu réparer une injustice. Là, les historiens français se sont focalisés toutes ces dernières années sur l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, et par conséquent, ils connaissent mal Bourguiba, ils connaissent mal l'histoire du protectorat français en Tunisie, et encore moins bien les premières décennies de la République tunisienne. Donc c'est cet oubli que j'ai voulu, cette injustice même que j'ai voulu réparer. Injustice, qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Une injustice par rapport à l'histoire, par rapport à l'historiographie. Encore une fois, le public français est très mal informé de l'histoire contemporaine de la Tunisie, parce que ça leur a pas paru le plus important. Je crois qu'on peut dire ça aussi, malheureusement aussi, de l'histoire du Maroc, qui est mal documentée en France. Je crois que Bourguiba, dans ces années-là, était animé d'un profond sentiment d'urgence. Il fallait aller vite, il fallait tout construire en Tunisie. Il a été le grand architecte. Et je crois aussi qu'il s'est dit, à propos du statut de la femme, qui est une exception dans l'histoire du monde arabo-musulman, il s'est dit qu'il fallait qu'il décide tout seul et le plus vite possible, et que peut-être plus tard, ça serait plus difficile. Et donc, il a en quelque sorte fait un coup d'État, mais un coup d'État au bon sens du terme, qui, à mon sens, profite encore aujourd'hui à la société tunisienne, qui est la seule démocratie du monde arabo-musulman.